Aujourd'hui, on a eu l'opportunité donc de visiter la pépinière et aussi les exploitations sur lesquelles ont été plantés ces caféiers. Donc notre objectif, c'est de pouvoir multiplier le plus que possible ces caféiers pour étendre la culture de ce type de café en Martinique. Donc cette expérimentation, pour le moment, est un succès, puisqu'on constate qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs intéressés par ce type de produit. Et donc, notre objectif, c'est d'aller vers l'excellence. Donc, le projet Common Ground repose sur trois piliers forts. C'est un approvisionnement responsable, limiter l'empreinte carbone de notre culture. Et puis, 100% de nos emballages doit être soit recyclable, soit réutilisable. C'est pour cette raison que nous avons fait le choix d'une filière exempte de pesticides chimiques. Tout ce qu'utilisent aujourd'hui nos producteurs, ce sont des éléments et des pesticides, je dirais, qu'ils fabriquent eux-mêmes. On a tous eu cette impression-là, j'ai l'impression qu'il y a un petit consensus, en tout cas dans le groupe dans lequel j'étais, sur la légèreté du café. J'ai goûté un café qui est tout juste infusé, qui est extrait de façon très légère, et ça donne notre visage du café. Et je pense qu'avec ce type de café, on a vraiment toute la quintessence du grain et toute son élégance et toute sa finesse. Voilà. Alors c'est très intéressant. C'est une autre approche, mais c'est une approche qui valorise bien le travail qui est fait au niveau de cette recherche et de ces plantations martiniquaises.